Bon, ok, j'ai pas réussi à foutre les photos sur la page communauté, donc je te fais un film vite fait, comme ça tu regarderas tes détails pour pour ta boîte à chenilles. Bon, donc voilà, on va commencer comme ça. Donc le carbu, il est là. D'accord. Il est là, sous le filtre à air. Le filtre à air est là. L'entrée d'air dans le carbu, ici. Ça, c'est la partie accélérateur. Voilà. Voilà la tronche que ça a. On va essayer de faire le tour. J'ai pas beaucoup de place là, mais. Voilà. Ça là, c'est le robinet d'essence, ouverture, fermeture. Là, il est fermé. Voilà. Tu as un tuyau qui repart, une durite qui repart de l'entrée d'air jusqu'à je sais plus où là-bas. Voilà. Carbu. Tu vois le carbu, voilà. Faut pas être plus près. Après, le câble accélérateur arrive ici, monte là. Il y a un tendeur ici. Il y a un tendeur ici de réglage. Le câble monte ici. Tu vois le câble là. Là. Voilà. Et ça, c'est l'accélérateur. Alors, l'accélérateur fait comme ça, d'avant. Là, il y a le starter quand on est enclenché en bas, jusqu'en arrière, comme ça. Tu vois, on voit rien de spécial, il y a un capot devant et tout. Voilà. On va essayer de passer dessous pour te faire voir ça. Voilà comment c'est foutu dessous. Ben, ça, c'est les ressorts de la sécurité ici. Voilà. Enclenche la sécurité comme ça. Là, tu la déclenches. Le câble accélérateur, il rentre là dans la petite fente prévue à cet effet où la tête vient se bloquer là-bas. Et puis, c'est tout. Voilà. Donc, écoute. Je vais passer la vidéo comme ça, tu me diras si ça te convient ou pas. Bon allez, on va voir une image de fait à peu près potable. Honda P400. Allez hop.